Bien le bonjour à tous. Alors, on va commencer par un petit réglage son, puisque là, j'ai tout modifié. Du coup, est-ce que vous m'entendez bien? Déjà pour commencer, et est-ce que la musique n'est pas trop forte? J'attends un petit peu le retour. Là, la musique a l'air d'être un petit peu forte quand même, je pense. C'est ça. Je pense que ça va être bon. Alors, comment allez-vous en ce dimanche? Je vais couper mon téléphone. Voyons voir qui est déjà sur le chat. Alors, on a. J'avais vu qu'il y avait Chamit Brick qui m'avait laissé un petit message dès que j'avais posté le live, donc salut à toi Chamit Brick, je sais pas si tu es là du coup ce matin. On a Guardian Bricks BL, salut Yaspeed Build, Lego Lalan, Alex JDK, salut. On a Marwan, je vais pas prononcer le reste parce que je vais sûrement écorcher le nom. Salut à toi, il y a David DDDT, bonjour à tous, bienvenue. Alors, du coup, on se retrouve aujourd'hui pour discuter surtout. Et puis, en même temps, je vais monter ce nouveau set que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Salut Julien, donc d'accord, c'est Zerid, ok. Je vois qui tu es. Ah, première semaine de vacances pour Alex. Salut S1D3R0. Oui Alex, oui je. No edge for play. Je me souviens de toi, il n'y a pas de souci. Mais tu fais bien de le rappeler pour ceux qui te connaissent, mais du coup qui ne reconnaîtraient pas ton nom ici, quoi. Bon, mais j'espère que pour ceux qui passent de bonnes, enfin que pour ceux qui sont en vacances, que vous passez de bonnes vacances. Moi, pour ma part, c'est le boulot, repris déjà depuis 2 semaines. Ouais, Alex, ouais, bah oui, c'est matinal, mais je sais comme ça que ça sera un petit live tranquille. De toute façon, je vais me remettre un petit peu dans le bain. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, donc j'ai vraiment perdu la main, quoi. C'est pas comme le vélo où ça, on s'en souvient sans souci. Et là, les lives, voilà. C'est toujours un petit peu dur pour moi. Mais j'aime bien faire ça, j'aime bien pouvoir vous parler, donc du coup, ben, je fais. Ben, je vais commencer par, on va commencer par ouvrir la boîte, on va attaquer, parce que moi j'ai envie de monter du Lego. Yaspeed, ouais, si, bien serré. Je sais pas si vous pouvez voir. Alors, voilà, là j'ai des boîtes de Lego que je peux pas ranger dans les tiroirs. Surtout que c'est pour un projet à venir. J'en parlerai bientôt dans un vlog. Il y a beaucoup beaucoup de Lego. Il y en a encore une poche au pied. Je sais pas où c'est que je vais les ranger pour l'instant, mais bon, on verra après. Et du coup, ouais, du coup c'est un petit peu compliqué, quoi. Salut, salut Tony. Ouais, Alex, ouais, je reprends tout doucement. Donc voilà, c'est pour ça. Une petite session du matin, tranquille, histoire de me remettre dans le bain, de vérifier que ma config est bonne. Et puis et après, je pense que plus ça ira, je pense que je commencerai à faire un petit peu de pub aussi sur Instagram et tout. Puisque là, c'est vrai que j'en ai pas parlé sur Instagram. Je préfère, voilà, que ça reste un petit peu confidentiel entre nous. Ah, salut Bicrouz, j'avais pas vu. Salut Lego Noblois, bienvenue. Merci d'être là. Et Vincent aussi qui vient de nous rejoindre, salut. Ouais, du coup j'ouvre ça. Puis on attaque. Salut Gaspard. Ouais, ça fait un bout de temps, ouais. Ça fait un bout de temps. Ça fait un bout de temps, mais voilà. Je compte à terme quand même en faire beaucoup plus des lives. Ça sera quand même plus facile pour moi. Au niveau temps, c'est plus facile à caler. Ça prend. Voilà, ça prend juste le temps du live. Du coup, ça me permet surtout de pouvoir échanger avec vous. C'est plus facile que via les commentaires d'une vidéo, donc voilà. Je vais essayer d'augmenter le rythme des lives. On va voir. Je vais peut-être essayer de tenir tous les dimanches. Et puis on verra peut-être plus après.
Alors, Marwan me demande si j'ai fini le support du shuttle de Kylo Ren. Du tout. Du tout, du tout, du tout. J'ai noté toutes les demandes qui ont été faites au niveau support. Elles sont dans une liste. C'est des trucs que je vais faire et il va falloir que je m'y remette. Pour l'instant, je suis encore en train de retrier toutes mes pièces. Je me suis rajouté des casiers. Alors, je me suis rajouté deux. Je sais plus, c'est deux noirs. Ouais, je crois que c'est deux noirs. Je m'en suis rajouté. Et du coup, je suis en train de tout réorganiser. Et après, je vais rattaquer ça, quoi. Je vais rattaquer les petits supports parce que j'aime bien. C'est un truc que j'aime bien. J'en ai fait en plus pour d'autres vaisseaux, là. Donc, il y a même des. Genre, ben, pour le Tantive, j'en ai fait un nouveau, en fait, qui est différent. Donc, je vais voir. Peut-être que je ferai une update. Je vous proposerai un nouveau support. Mais ouais, j'ai bien envie de reprendre un peu cette série de supports. Je trouve ça sympa, surtout qu'en plus on a encore des nouveaux vaisseaux qui viennent d'arriver, donc il y a du taf. Bikous qui veut que j'attaque direct. Bon, alors aujourd'hui du coup, on fait le maraudeur issu de la dernière vague Star Wars. Et c'est un set, c'est un véhicule tiré de la série The Mandalorian. On va voir ce que ça vaut. Hop, ça met des petits bouts de carton partout. Alors Gaspard qui voit le R2 derrière, oui effectivement le R2 toujours pas monté. Bah, du coup je prends mon temps hein, pour les 7, voilà, je me speed pas trop, j'ai pas trop le temps de toute façon, donc voilà. Mais ouais, il faudra aussi que je monte celui-là parce que il a l'air bien bien sympa. Après l'UCS Gunship, non, j'ai pas craqué du tout dessus. On va dire que j'étais un peu. Ouais, j'étais assez hypé au début. D'ailleurs, j'avais voté pour celui-là. Puis au final, voilà, je voulais faire un choix. Qu'est-ce que j'allais acheter comme. Quelle serait ma dernière grosse commande avant de mettre vraiment le haut là-dessus? Parce que là, bon, je vous le dis clairement, la septembre va arriver, le petit va arriver, les Lego, je vais vraiment arrêter. Je m'achèterai peut-être quelques petites boîtes quand même pour pas non plus me priver totalement. Mais les gros achats, là, c'était vraiment août, c'était vraiment les derniers gros achats. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que il vaudrait pas mieux que je prenne bah, soit le UCS Gunship ou alors les autres petits sets Star Wars. Et honnêtement, à choisir, j'ai préféré prendre plus de boîtes, de petites boîtes Star Wars qui m'ont vraiment plu. Puis les mini figurines dedans, elles sont juste terribles. Donc j'ai préféré craquer pour ça. Je vous le montrerai bientôt en vidéo dans le vlog là, que je vais faire. Je vous représenterai tout ce que j'ai acheté. Et donc entre autres, il y avait cette boîte-là, donc du Maraudeur. Je vois qu'il y a Vlad qui vient de nous rejoindre. Salut Vlad. Il y a Arthur aussi. Bonjour à vous. Bah du coup Arthur on va voir tout de suite, hein, on va voir ce que ça vaut. Alors c'est sûr quand on voit j'ai vu beaucoup tourner de mocs qui sont bien sympas, donc tout de suite quand on voit les sets Lego après c'est toujours un peu plus dur. Alors pareil je sais pas si je confonds pas le transporteur et le maraudeur, je sais pas si c'est le même vaisseau là, parce que là c'est le ouais, Imperial Armored Maraudeur, et je crois qu'il y a le Imperial Transport je sais même plus quel nom c'est quoi. Coup, je me demande si je ne confonds pas les deux vaisseaux. Vous savez peut-être ça dans le chat. Ah, on a Diana Penaranda qui vient de s'abonner à la chaîne. Merci à toi. Et du coup, c'est la première fois que je teste ce truc-là. Donc merci à toi de t'être abonné du coup parce que ça me permet de vérifier que ça marche bien. C'est parfait. Mais je suis content. Comme ça, on pourra voir qui c'est qui rejoint la communauté. Alors, Imperial Troop Transport, ouais. Est-ce que c'est le même celui-là? Est-ce que je confonds pas? Marwan, le Lego Room Tour, il arrivera fin d'année. Fin d'année, c'est quand j'aurai vraiment tout bien remis. J'ai encore quelques petites étagères à installer. Je ferai un room tour et certainement plus axé sur la collection, je pense, parce que bon, vous remontrer encore une fois toutes les pièces que j'ai, enfin comment je les ai rangées, bon, ça va 10 minutes. Je ferai peut-être pas tous les tiroirs non plus. Voilà, on regardera un tiroir, je dirais voilà, il y en a 4-5 comme ça, et puis
Et puis basta, mais je montre, là j'essaie vraiment d'axer quand même sur la collection, j'essaie de vraiment en installer le plus possible, d'en remonter le plus possible, et puis voilà, ça sera surtout un room tour sur ça. Et après, on verra, je sais qu'il y en avait qui m'avaient demandé par rapport à mon setup, mon ordinateur. Je ferai peut-être une vidéo à part où je verrai, je dédierai peut-être un chapitre là-dessus dans la vidéo. Mais fin d'année, pour répondre à ta question, parce que du coup je blablate, je m'écarte du sujet, mais fin d'année, room tour. Alors du coup, parce que là ça, il y a du monde qui est arrivé et je commence à perdre le fil. Ouais, Guardians, oui, bah oui, il y en a forcément beaucoup qui veulent aussi un Nébulombé. De toute façon, à savoir s'ils vont pas tous les faire à terme. Ça se trouve, ils les feront tous, mais c'est juste que il fallait peut-être commencer par un, puis. Excusez-moi, je termine mon café avant qu'il soit imbuvable. Alors. Oula. C'est. Ah! Sabrina Kempf, merci à toi de nous rejoindre. C'est un ITT modifié, me dit Guardian. Oui, donc c'est pour ça qu'il s'appelle pas pareil, quoi. Salut Emrico, merci de venir me faire un petit coucou. Ça va bien, et toi, comment vas-tu? Ouais, alors du coup, oui, Vlad, oui, je dis Maraudeur. Alors oui, il faut peut-être que je dise tout. C'est Imperial Armored Maraudeur, du coup. Oui, parce qu'effectivement. Le maraudeur tout court. Le maraudeur tout court, oui, maraudeur site, effectivement. Corvette de classe maraudeur. Ouais, c'est vrai qu'après un Star Wars, il y a tellement de trucs que je. J'ai du mal à tout suivre. Il y a tellement de trucs que je sais pas, quoi. C'est. Marwan, la collection des Speed Champions, je ne pense pas. Mais par contre, j'avoue que sur la dernière vague, je vais peut-être d'ailleurs faire. Je pense que ça m'a été demandé. Je vais sûrement faire une vidéo. Une review du Speed Champion que j'ai acheté là, avec les deux Corvettes, pour en parler un petit peu. Mais j'avoue que la dernière vague, il y a plein de véhicules qui me plaisent bien, qui sont très bien faits, je trouve. Coucou Némésine, oui, bonsoir à toi. Je pense que tu te couches, tu te réveilles? Tour avec les rêves d'étagère, c'est possible, comme par exemple casier de rangement. Oui, Arthur, de toute façon, je mettrai tout en description. J'en parlerai pas dans la vidéo parce que sinon ça sera imbuvable. Mais ouais, dans la description, je remettrai toutes les références d'étagère, tout ça. Il n'y a pas de problème, quoi. Pour que ça puisse. Voilà, ça vous donnera des idées. Et puis comme ça, vous pourrez trouver en magasin. Oui, Vlad, c'est la Nespresso. J'en ai pas eu beaucoup, mais voilà, c'est ma tasse à moi. C'est la seule qui a survécu aux différentes chutes. Les autres n'ont pas survécu. Salut Zevildeus. Allez, on attaque. Donc là, 4 sachets. 4 sachets. Ben, je pensais pas qu'il y en aurait autant. Hein. Bon, après, c'est des petits sachets, mais. Alors, comment je vais m'y mettre? Salut Méziane, ben, moi aussi, écoute, ça me fait plaisir de vous retrouver, de pouvoir papoter un petit peu. Ça faisait super longtemps et normalement, je compte reprendre les lives assez sérieusement. Allez, on va mettre ça là, écoutez, en attendant. Une miniature du transporteur. Alex, c'est-à-dire tu veux.
Tu veux que je fasse, que j'affiche quoi en fait? Le transporteur vraiment issu d'une photo Star Wars ou le transporteur là quand il sera terminé? Et en miniature, je sais pas, là, en bas de l'écran, vers là ou... Parce que là ici j'ai mis la photo de la boîte, mais si tu pouvais préciser, après je peux peut-être essayer de bidouiller ça rapidement. Marwan, tu te trouves bien dans cette Lego Room? C'est-à-dire, est-ce que je suis à l'aise? Je suis un peu à l'étroit quand même, mais bon, je fais avec. Ah, ben on commence direct avec deux minifigs, disons. Celle qui m'intriguait pas mal là, c'est le Stormtrooper. Je sais pas ce qu'il fait, le mortier là. Il tire au mortier. Donc c'est le Stormtrooper avec les bandes jaunes. Et bien franchement, c'est bien sympa, dis donc. Casque double moulage. Ça, ils n'ont pas changé, c'est très bien. Du coup. Alors est-ce que vous voyez bien? C'est vrai que j'ai pas fait gaffe à ça. Ouais, ça devrait le faire, là, je pense. Bon. On va mettre ça comme ça. On va le dégager. Là, tu l'as déjà monté, donc, et toi, tu t'as bien aimé. Après, je pense que ouais, ça doit être sympa comme montage, mais c'est vrai que l'esthétique, bon, c'est beaucoup de studs apparents, et c'est toujours un petit peu le problème. Moi, je sais que j'aime bien quand c'est lisse, mais bon, on verra bien après au rendu final. Souvent, le rendu sur la boîte, enfin, entre la boîte et le rendu réel, c'est vraiment, des fois, il y a un gouffre, quoi. Alors Tony qui me demande qu'est-ce qui me plaît sur ce qui me plaît pas sur le gros set HP qui va sortir. Qu'est-ce qui me plaît pas dessus? Bon, il est bien. Peut-être les erreurs qu'ils font à la sérigraphie. Non, je. Bon après j'avoue que je me suis pas trop penché dessus. Bon c'est sûrement un set que j'achèterai peut-être plus tard. On verra. C'est. Mais Non, il est bien, moi je trouve qu'il est bien. Je sais pas trop en fait ce qui. Je crois que le seul truc qui m'avait peut-être un peu dérangé, c'était la baguette, quoi. La baguette, je la trouvais pas super super finie, quoi. Après les livres, la chouette, elle est juste magnifique. Les livres sont bien. Les lunettes, bon, c'est des lunettes simples, mais elles font le taf. Je dirais la baguette peut-être, avec les. Je sais pas, la finition est pas ouf, quoi. Mais sinon, très joli, hein. Et là, on voit vraiment comment est employée la. Enfin, voilà, les capacités de la brique Lego à faire quelque chose qui est proche de la, proche d'un truc réel, quoi. C'est quand même assez bien fini. On pourrait presque s'y tromper, quoi. De loin, en plissant un peu les yeux comme ça. Alors. Ah oui, c'est ça que je cherchais. Hop, la petite boîte, on va pas l'abîmer. J'essaie de les garder, ces petites boîtes, parce que c'est bien pour remettre des fois des trucs qu'on ne veut pas. Des petits bouts de tissu. Alors, Marwan qui reprécise sa question. Du coup, est-ce que je trouve que j'ai bien agencé? C'est un peu space, hein, j'avoue. Enfin, bon, là, vous voyez pas, mais c'est vrai que j'ai mis une étagère sur une autre. Bah, c'est pas évident, c'est pas évident. En fait, on va dire que là, les étagères, je les ai mises parce que je savais que j'allais remonter le bateau pirate et que j'allais remonter le château. Je pense pas, franchement, c'est des sets que j'adore et il y a très très peu de chances que je les redémonte. Donc, à mon avis, ils resteront là un petit moment, quoi. Mais non, ouais, j'ai essayé de vraiment optimiser. Ouais. J'ai essayé de penser déjà à mes gros sets, comment j'allais les mettre. Hein. J'avais prévu aussi l'emplacement pour le. Comment je vais y arriver là? Le Faucon Millenium. Je m'étais dit, bon, lui, sûr, il faut qu'il passe. Donc j'avais mesuré, ça passait vraiment au millimètre. Non, mais donc j'ai dû bien agencer. Enfin, c'est pas que j'ai bien agencé, c'est qu'au final, vu que j'ai plus ma grosse armoire. J'ai récupéré en fait un bon bout de mur et du coup j'ai pu remettre des étagères que j'avais pas mis avant.
Donc j'ai même pu remettre une commode en plus. Donc pour dire. Mais j'avoue que ça fait un peu bizarre comment j'ai mis les meubles. Mais bon, en attendant, j'ai réussi à remettre ma collection, donc c'est le principal. Bah, pas tout, mais j'ai réussi à remettre une bonne partie. Némésine qui dit qu'effectivement, ouais, Amazon Allemagne, comment ils font pour avoir des prix plus bas? C'est une bonne question, quoi. C'est une bonne question. Faudra que j'essaie de commander aussi chez eux parce que bon, c'est vrai que ça. Déjà Amazon à la base c'est moins cher, mais alors là en plus là-bas c'est encore moins cher. Alors je crois que j'ai oublié. J'installe des petits trucs derrière là. Salut Gilles, ce set-là il est à je ne sais plus du tout. Je sais pas si c'est pas 39, 39, 99, 40 balles quoi. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je mette ces infos-là en bas. Rappeler le nombre de pièces et de. Je vais aller faire un petit tour vite fait sur Avenue de la Brique. En deux clics, ça sera fait. Donc c'est un set qui est à 39,99, 478 pièces. Et donc on peut trouver déjà à. On peut déjà trouver à 33 euros. Bon, Alternate. Après, je connais pas trop Alternate. Apparemment, bon, ça marche, mais. Mais je connais pas. Donc je peux pas vous conseiller. Méziane, le hall Lego, il sera intégré dans le prochain vlog. Et le prochain vlog devrait sortir. J'ai pas tourné, mais ça va être rapide à tourner. Et je vais essayer de faire ça dans la semaine, quoi. Enfin, la semaine qui arrive. Et ouais, Vlad, ouais, c'est sûrement ce que je vais faire en fait pour les 7 HP parce que même, bon, même si j'ai eu un coup j'étais hypé, un coup j'étais pas hypé pour les 7 Harry Potter, mais au final, bon, bah, vu qu'ils repartent sur cette nouvelle vague, bon, bah, je vais voir, je vais tester quoi. Je vais quand même tester et puis. Mais du coup, je pense que je vais les prendre moins cher donc ça sera Amazon. Va falloir que je guette ça, je vais voir peut-être vers Noël ou. Mais je vais les acheter moins cher quoi. Je vais pas les acheter au plein pot quoi. Alors, ça a défilé là, je suis plus. Ah mais Alex, c'est gentil, mais après bon je présente en fait les actus, c'est vrai que j'en fais pas. Parce que bon ça se trouve assez facilement sur YouTube quand même. Mais bon, en général, je parle des trucs qui me plaisent, quoi. On va dire que j'essaie d'informer quand il y a. Enfin, moi, quand il y a un truc qui me plaît, voilà, j'en parle tout de suite, même si c'est voilà, même si ça vient tout juste un petit peu de liker. Je parlerai. Mais c'est vrai que je parle pas de tout, quoi. Je couvre pas tout du tout. Il y a tellement de trucs à suivre. Ouais, Lego Noblois, ouais. Réduire une Lego Room, ça se fait pas en général. On cherche toujours à plus de place, mais bon, ben là, c'est. Si comme ça, il n'y a pas trop le choix. Mais du coup, je commence à cogiter vraiment en arrière-plan là. J'ai mis ça, une petite tâche qui travaille au fond de mon cerveau là, à voir comment je préfère pour éventuellement me faire un local en dur, hein, un truc genre un garage quoi, un garage, mais au fond du jardin quoi, dédié à ça quoi. Je ferai une partie Lego Room et une partie vrai garage quoi, avec du bordel dedans. Des outils, des trucs comme ça, quoi. Alors, ça se met comme ça. Et donc, il y aurait plus de place, quoi. Mais bon, ça sera pas avant un petit moment, quoi. Mais ça pourrait être une solution, quand même, vu qu'on veut, on veut quand même. On voudrait essayer de récupérer un peu d'espace dans la maison. Donc, la seule solution, c'est que j'arrête de faire la Lego Room dans la maison, quoi. Après faire une extension de maison, faut qu'on voit parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire. On n'est pas bien, c'est pas bien agencé comme on est là. Alors, pour ta room, je pense que l'on veut savoir, est-ce que tu te sens bien?
En ce moment, j'ai pas trop le temps en fait. À part, enfin, j'ai fait quelques vidéos, donc c'est un petit peu Tetris à chaque fois. Voilà, faut que je sorte ça, faut que je mette la petite table. Là, j'ai une table qui est sur tréteau, donc que je peux replier à chaque fois. Avant, j'étais pas embêté. J'avais juste une table qui était sur le côté, mon plan de travail pour voilà faire les créations. J'avais juste à le tourner et hop, je pouvais tourner mes vidéos. Là, maintenant, ben voilà, faut que je range la table sur le côté. C'est pas. Je suis bien quand même dedans, mais c'est pas pratique quoi. C'est vraiment pas pratique. Mais j'ai pas eu trop encore l'occasion de. Là, j'ai pas fait de création dernièrement. D'ailleurs, il va falloir que j'attaque un projet. Un gros projet. Et du coup, ben, ça sera la mise à l'épreuve, quoi. Je vais voir si finalement je l'ai bien agencé ou pas, quoi. Mais je pense qu'il va me manquer un plan de travail parce que même avec l'ordi là, j'ai que ça en fait. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est tout ce que j'ai à peu près pour travailler, pour monter les Lego. Et c'est pas ouf, hein. Là, je suis en train de monter un petit set. Donc, je vous imagine si je dois faire un truc plus grand, plus avoir tous les casiers à côté avec mes pièces, ça va être le bazar quoi. Et d'ailleurs, je sais pas si vous suivez sur Instagram, mais le Benatar, je le monte dans le salon hein, parce que. Bah, le truc c'est ici, je commence à le monter ici, après bah, j'ai plus de place, je peux plus rien faire. Alors Gilles, si tu veux avoir des infos sur les prix, tu as des comparateurs de prix, notamment avenue-de-la-brique.com, et après je sais qu'il y a Price Vortex aussi, il me semble que c'est ça. Là, Price Vortex, je crois que c'est les comparaisons entre Amazon. Et Avenue de la Brique, c'est entre plusieurs marchands. Alors, je vois qu'il y a. Du coup, j'ai bloqué le chat, en fait, j'ai pas vu que ça avait défilé. Marwan, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que les Lego Shop t'aident pour tes constructions en pièces? Enfin, si j'ai bien compris, non, non, ils m'aident pas. Je vais acheter les pièces comme tout le monde. Il n'y a pas de. Non, non. Là, pour le projet que je fais, c'est en collaboration avec un magasin de jouets. Donc, vous en saurez plus. J'ai déjà fait une vidéo et il y en a deux autres que je dois tourner. Et quand j'aurai tourné les deux autres. De toute façon, je vous expliquerai tout ça dans le vlog. Enfin, un petit peu plus. Je vais pas trop détailler non plus, mais j'expliquerai un peu plus. Et après, je sortirai les trois vidéos quasiment dans la même semaine. Et donc, c'est un gros projet quand même. Et là, par contre, ouais, les pièces, c'est pas moi qui les ai achetées. Enfin, c'est pas eux non plus, mais voilà. Du coup, je les ai. Enfin, moi, je les ai pas achetées. Ouais, j'avoue, Vlad, moi aussi j'aime bien le fume sec aussi, j'aimerais même le prendre. Il y a des sets, c'est marrant, on les voit pas en promo, quoi, on les voit nulle part en promo. Il y a Yann Fries qui nous dit qu'ils sont beaux les nouveaux Harry Potter. Il aime bien cette gamme. Et qui espère qu'on aura. À nouveau du Moyen Âge. C'est vrai que ça serait bien. Ça changerait un petit peu. Ça serait un peu au retour aux sources. Bon là, ils ont fait. C'est comme pour les pirates. Hein, ils ont juste fait un set Creator 3 en 1, un set IDs, puis basta quoi. Donc à voir. Est-ce que c'est un coup d'essai histoire de voir si s'il y a de la demande ou est-ce que c'est juste comme ça en one shot et puis on en reparlera pas avant un petit moment quoi. Parce que sur IDs, quand même, on voit qu'il y a d'autres gens qui proposent encore des sets médiévales et tout, quoi. Pirates, ça. Donc, je suis pas sûr que déjà dans IDs, ils refassent encore du pirate. Bon, ils font bien 15 fois aussi de la tout ce qui est exploration spatiale. Donc, pourquoi ils ne referaient pas plusieurs fois du thème Moyen-Âge ou du thème pirate? Il manque une place. Ah oui d'accord Alex, oui, les hauls que je fais, du coup ça fait la mise à jour des infos. Oui, encore.
Et encore, il y en a tellement, tellement qui sortent à chaque fois. Je couvre vraiment que les. Enfin, voilà, je m'achète que les thèmes qui me plaisent, mais il y a tellement de trucs qui sortent, quoi. Puis là, du coup, bah, prochainement, il y aura moins de halls, hein. Ça c'est sûr. Enfin, ça sera des micro-halls. Des micro-halls. Ah, je me suis trompé. Séparateur, vite. Ah. Bon, et je commence à faire comme Ah, punaise. Ouais, Guardian, oui, Brickmitry, il fait des actus, mais oui, il fait des actus. Il fait des actus, ouais. Ça pour le coup, il les couvre bien, c'est sûr. Ah, Lego Noblan, un truc en préfabriqué. Ben, j'avais pensé faire genre un abri de jardin pour pas être. Enfin voilà, pour pas. Parce que pareil, je réfléchis aussi au fait que si je fais un truc en dur, bah ça coûte des sous après, hein, il faut payer les impôts, tout le bordel quoi. Donc, j'avais réfléchi aussi à faire une cabane que j'aurais pas besoin de. Voilà, j'aurais pas besoin de. Enfin, si, il faut la déclarer, mais. Qui aurait pas besoin, qui nécessiterait pas d'impôts quoi. Mais en fait, au final, j'aurais trop peur qu'il fasse, que j'arrive pas à isoler, qu'il fasse trop chaud. Donc je préfère faire un truc un vrai garage quoi, où les Lego n'auront pas à craindre l'humidité et la chaleur. Parce que bon, l'humidité pour les boîtes et les notices, et la chaleur pour les pièces en plastique quoi. Alors, est-ce que je suis pas en train de louper une étape là? Ça c'est bon. Donc pour l'instant c'est juste de l'empilement de plates pour faire le châssis. Gilles pour la poussière. La poussière c'est la seule astuce m'a donné et qui est très bien, c'est donc ça. T'as les aspirateurs. Bon, moi perso, je prends pas l'aspirateur. J'ai juste un petit pinceau de maquillage parce que le poil est très doux. Parce qu'un pinceau de peinture, le poil est un peu plus raide et ça risquerait de faire des micro-rayures. Donc pinceau de maquillage et bombe d'air sec. Voilà. Donc ça, c'est pour tous les Lego, on va dire, qui vont être. Enfin voilà, quand c'est dans une Lego Room, ça va. Après. C'est tous les sets que tu vas peut-être avoir proche de la cuisine et tout. Forcément, il y a toujours un petit peu de dépôt de gras. Et là, je ne sais pas comment on fait dans ces cas-là. À mon avis, là, t'as pas le choix, c'est il faut passer au savon et à l'eau. Mais sinon, juste un pinceau et une bombe d'air sec, et ça suffit. Non. Mais bon, après, voilà, il faut le faire. Donc, plus il y en a à faire, bah, plus c'est long. Vlad qui me demande de faire une extension pour. Ouais, bah ouais, si oui, j'étais riche, oui, je ferais une extension. Je ferais un hangar. La cabane au fond du jardin. Ça sera ça, Némésine. La cabane, ça sera pas une cabane du coup, ça sera un garage. Le garage au fond du jardin. Un conteneur de 40 pieds dans ton jardin. Carrément, quoi. Avec étage et tout. J'en suis là. Ouais, le plumeau, je sais pas, hein. Parce qu'après le plumeau c'est avec des plumes du coup, et je suis pas sûr que ça passe bien entre tous les petits tenons et tout, hein. Donc non, franchement le pinceau de maquillage, je l'ai adopté et j'en ai un, ma femme m'en a donné un qu'elle n'utilisait pas et j'utilise que ça maintenant. Tonio, pour répondre à la question, la mienne a fait 7,5 mètres carrés, si je me souviens bien. Donc j'ai perdu 2 mètres carrés par rapport à celle d'avant, et 2 mètres carrés, c'est vraiment énorme. En fait, c'est pas tant sur les murs, moi, que j'ai perdu, c'est vraiment en surface de circulation. C'est surtout là. Parce que les murs, comme j'ai expliqué, vu que j'ai une armoire plus petite maintenant, j'ai récupéré de la surface en mur. Donc ça va. Mais bon. Et sachant que c'est 7,5 mètres carrés, bon, j'ai pas à me plaindre, hein. C'est quand même bien sympa d'avoir autant d'espace, quoi.
Marwan qui demande, alors je sais pas si c'est à moi que tu demandes, mais oui, j'ai celui de Bordeaux en Lego Store. Et hey, Yaspid, il a une belle pièce, hein, 10 mètres carrés, c'est bien. Hein. Et je suis en train de penser, j'avais pas pensé, j'avais pas monté Cargriff, ou Griff, ou comment il s'appelle? Griff Carga. Ouais. Je suis passé directement au montage. Peut-être essayer de régler un petit peu la luminosité là. Est-ce que pour régler ça, c'est peut-être un peu mieux là, non? Peut-être un peu trop. On va voir, on va tester, changer un peu la luminosité. On y voit peut-être un petit peu mieux quoi. Bon, par contre, j'ai essayé de. J'arrive pas à faire la mise au point avec la caméra, je suis dégoûté quoi. Ah si, ouais, non, moyen. Pour vous montrer un peu les minifigs, mais au final, c'est pas ouf quoi. Voilà, c'est dommage parce que là de près ça aurait été trop bien. Ah bah si, c'est bon. Elles sont toutes floues quoi. Allez. Bon, mais désolé. Je vous aurais bien montré les minifigs. Va falloir que je vois comment faire la mise au point là, parce que c'est pas. Enfin, je peux la faire manuellement, mais après c'est trop galère. Oui, les Harry Potter, faudrait voir. J'ai pas fait d'analyse par rapport à ça là. Il y a Gardens qui dit que les Lego HP sont pas donnés. Le Star Wars reste quand même balèze, Marvel aussi. Mais faudrait regarder. Faudrait regarder les derniers prix. C'est vrai que je ne me suis pas penché sur la question. Quand je faisais les revues, au final, ça me faisait mettre le nez dans les prix pour voir un petit peu les tendances. Et HP, je ne sais pas si du coup ils commencent à se gaver un peu dessus. J'ai bien l'impression aussi. Les Star Wars, par contre, ils font clairement l'effort. Hein. Dernièrement, alors j'ai pas regardé sur les derniers sets qui sont sortis. Mais que ce soit là le TIE, le X-Wing, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme vaisseau? Le Slave One, je crois aussi ici, il doit être pas mal. Enfin, à vérifier, mais je crois qu'ils font quand même un petit effort sur la gamme Star Wars. Ils ont revu un petit peu leur fonctionnement. Il y a SWN qui nous a rejoint, j'avais pas vu. J'avais pas vu, de toute façon là je suis en train de louper plein de trucs. Qu'est-ce que je pense du set des icônes de Poudlard avec la chouette? Ben, la chouette, elle est chouette quoi. Non, il est vraiment très bien. Comme je disais tout à l'heure, finalement, il y a Tony qui m'a demandé qu'est-ce qui me plaisait le moins dedans et j'aurais envie de dire la baguette. Enfin, de ce que je me souviens, la baguette, je trouve qu'elle est pas ouf quoi. Ils auraient peut-être pu faire un petit peu mieux. Mais sinon, tout le reste, franchement, c'est sympa. Hein. J'ai pas le budget pour l'acheter, enfin c'est fini, mais. Plus tard, je pense que je me le prendrai, quoi. Après, bon, voilà, c'est comme d'hab, toujours une histoire d'espace où le mettre après. Y a Alex qui me dit moins de 30 mètres carrés, t'as pas de surface fiscale. Bah, faudra que je vois. De toute façon, va falloir que je me renseigne. Bon, pour l'instant, c'est pas une priorité. Déjà, on a le petit qui va arriver, donc ça sera surtout ça. Mais dès que d'ici quelques années, je pense qu'on commencera à réfléchir au truc parce que bah, je vais manquer d'espace forcément, quoi. Je veux dire, je vais pas arrêter les Legos, je vais continuer, donc il me faudra toujours plus d'espace, quoi. Effectivement, Vlad, la TAT à 120 euros, frais de port, ça va, hein, c'est peu cher. Hein. Tony, non, j'utilise pas de compresseur d'air. Il faudrait que je regarde. C'est l'air sec, ça souffle quand même pas mal, mais un compresseur, après, il faut faire gaffe. Hein. Peut-être que ça souffle un peu trop fort. Ou à moins, ce qui est moyen de régler le débit, ça peut être intéressant. Il y en a des petits électriques qui existent. Bon, même ça doit faire un boucan d'enfer, mais ça peut peut-être être sympa, quoi. À boire. Gardien qui me dit une cabane dans les arbres.
Marwan, non, le mock Eidou, j'ai tout démonté. Non, non, j'ai tout démonté puisque là j'avais fait la vidéo, c'était surtout. Voilà, non, non, je les démonte. C'était un coup d'essai, on verra. Si vraiment j'arrive à en faire un vraiment encore mieux, à voir, peut-être que je le garderai. Alors, que je me trompe pas, c'est comme ça. Même continuer à le monter un petit peu. Alex, c'est bon pour la lumière ou c'est trop fort? Tu me dis de plus bouger, mais oui Tony, ouais, les bombers, oui, après oui, ça c'est pas donné, hein. Mais je fais pas souvent la poussière, c'est pour ça aussi. Donc, mais oui, là pour le coup, oui, c'est vrai que les compresseurs, ça sera vite vite rentabilisé, quoi. Mais il faut qu'on puisse régler le débit, sinon c'est un coup à faire voler des pièces partout, quoi. Harry qui me demande ce que je pense des lumières dans les Lego et qu'il trouve que des fois ils en font trop. Et je suis de ton avis. Il y a des fois on a vraiment l'impression que c'est des guirlandes de Noël plus qu'autre chose quoi. Et je pense que c'est à utiliser avec modération et puis effectivement peut-être pas trop jouer de tout plein de couleurs parce qu'après ça devient une guirlande quoi clairement. Après, j'ai pas vu quel kit. Enfin, faudrait voir le kit dont tu parles. Parce que peut-être qu'il y a plusieurs marques et elles ont peut-être plusieurs approches pour l'éclairage d'un même set. Mais je sais que j'ai vu passer des trucs des fois. Voilà, c'était un peu too much. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Y a un freeze? Non, je fais pas de budget, je fais en fonction des moyens sur le moment. Et puis c'est tout quoi. Mais là, là je sais que le budget maintenant il est réduit au strict minimum quoi. Jambon saucisse. Jambon saucisse. Qu'est-ce que je pense du forgeron médiéval? Eh bien, je sais qu'il me plaisait. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et puis, du coup, je ne l'ai pas monté. Donc, je ne saurais pas te dire. Mais, enfin, pour moi, je suis quasi sûr qu'il est excellent, quoi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Enfin, en tout cas, j'ai eu. Moi, c'était coup de cœur, hein, là-dessus. Ah, je peux pas te donner mon avis dans les détails, mais je sais qu'il me plaît. D'ailleurs, il faudrait que je le monte parce que celui-là, j'ai. Enfin voilà, c'est un de ceux qui. Je sais déjà où je vais le mettre. Mais il faut que je trouve le temps, quoi. Ah, là, il n'y a pas d'infos là. Comment je le mets? Ah si, d'accord. Ok, c'est comme ça. Ouais, faut pas se tromper là pour la vite, il y a un sens. Ouais, Harry, ouais, perso, il a eu la TAT à 115 euros dans le Carrefour. Mais Carrefour, je suis un peu surpris. Non, je pensais pas qu'il faisait des. Je sais que, genre, Auchan, Leclerc, ils font toujours des. Enfin, suivant les Leclerc, hein, parce que pareil, il y a des petits Leclerc, eux, c'est l'inverse. Ils mettent. Moi, je sais que le petit Leclerc à côté de chez moi. C'est toujours tous les sets, ils sont à 2-3 euros de plus que le prix Lego, donc il n'y a aucun intérêt à acheter les Lego chez eux. Mais certains grands Leclerc, je sais qu'ils font des. Et en ligne, ils font des bonnes promos. Et je crois qu'Auchan, c'est le top, quoi. Auchan à Noël, à chaque fois, les sets les plus récents, il est brade, faut voir comment. Là, 115 euros, c'est bien, hein. Ça commence à. C'est vachement intéressant, quoi, ce prix-là. Salut Pierre-Louis.
Alors, est-ce que Marwan qui me demande si j'achèterais des personnages custom? Alors, je suis pas trop. Ils font des jolis trucs, mais je suis pas trop pièce personnalisée. Enfin, je suis vraiment, voilà, Lego, un puriste, quoi. Un puriste du Lego. C'est Lego ou rien d'autre, quoi. Donc les customs, bon, y a, franchement, on voit des trucs super bien. Mais je sais pas. Si tout dépend, si je me lance vraiment dans les mocks au taquet, peut-être qu'à un moment, enfin tout dépendra du niveau, mais effectivement peut-être qu'à un moment les minifigs, je sais pas, ça atteindra ses limites. Peut-être qu'à un moment il faudra que j'aille plus loin dans le détail, mais pour l'instant je trouve qu'elles sont bien les minifigs. Mais c'est vrai que des fois, bon. On voit là sur Star Wars, ils font pas vachement d'efforts en hein, Lego quand même. Elles sont bien, mais quand on voit toutes les techniques qu'ils ont à leur disposition et qu'à chaque fois, que ce soit les bras double moulage, les jambes double moulage, les inscriptions sur les bras, la topographie jusqu'au bout des pieds. Je sais pas s'ils ont fait derrière déjà, derrière les jambes. Je sais pas s'ils ont déjà fait, de mémoire, non. Mais bon, quand on voit tout ce qu'ils sont capables de faire, les casques double moulage, ou du moins tout ce qui est cheveux avec accessoires double moulage, et qu'au final, ben non, voilà quoi. Ils n'utilisent pas toutes les techniques, c'est dommage. Il n'y a que certaines fois où ils utilisent tout, genre la série de Harry Potter, la série 2, je trouve que c'est hallucinant quoi. Le niveau de détail qu'ils avaient réussi à atteindre. Oui, Yaspid, ouais, c'est pas donné l'éclairage. C'est vrai qu'il est cher. Mais honnêtement, enfin moi j'avais pas eu vent de cette barre-là. Mais franchement, enfin je vois tous les problèmes que ça résout. Ben, je pense que j'aurais peut-être craqué. Hein, j'aurais peut-être craqué. J'ai bien mis le prix dans des petites caméras, donc une lampe en soi, ça ne m'aurait pas dérangé de mettre ce prix-là, mais c'est vrai que c'est pas donné, c'est quand même pas donné quoi. C'est quand même 100 balles et ça fait cher quoi. Sachant comme je disais qu'on peut trouver des lampes connectées, donc du coup qu'on peut même contrôler avec son téléphone, changer les couleurs, on les trouve pour 15 balles, 20 balles. Mais voilà, le problème c'est qu'après, t'as de la lumière partout quoi. Ça envoie dans tous les sens et puis. Je pense qu'on s'en rend pas compte, mais après ça défonce les yeux quoi à terme. Enfin là, je sais que la solution que j'avais trouvée avec ma lampe LED là, ma barre, c'était. D'ailleurs, je l'allumais pas souvent. J'allumais un petit peu quand je faisais du rangement, du tri de pièces, mais plus généralement, je mettais plutôt la lumière principale. Mais bon, le problème, c'est que je pouvais pas profiter de mon éclairage LED quoi. J'aime bien avoir ma petite ambiance comme ça avec mes LED allumés de couleur. Le Leclerc de Léognan, le Leclerc de Léognan. Ouais, après du coup c'est pas trop à côté de chez moi, mais je sais pas. Attends, je regarde juste vite fait. Le Leclerc. Mais du coup, Marwan, t'es dans le coin, quoi. Si tu vas aller au Nian, t'es sur la région. Je sais pas, je me rappelle plus du tout où c'est que c'est, Léognan. Enfin, je sais que c'est pas à côté de chez moi, mais. Ah ouais, du coup, ouais, non, c'est pas du tout à côté de chez moi, quoi. Bon, après, bon, Leclerc, en général, quand je commande, du coup, moi, je commande en ligne directement. Mais c'est cool, si t'as un Leclerc qui fait des bonnes promos, ça, c'est top, quoi. Aussi, ouais, Lego Noblois, ouais, t'as raison. Enfin, je sais que Leclerc, je sais pas trop, mais Auchan, le compte Wahoo, c'est hyper important de l'avoir. Il y avait des fois, ben, c'était pendant le confinement,
façon, je l'avais expliqué en vidéo, je crois. J'avais commandé et j'avais tellement cumulé sur la carte que j'avais refait une commande juste avec ce que j'avais cumulé ou en rajoutant un tout petit peu, j'avais pu me racheter d'autres sets, quoi. Mais le cumul était assez hallucinant, quoi. C'était en dizaines d'euros, quoi. Mais il fallait avoir la carte, quoi. Carte qui est totalement gratuite et qui t'engage à rien du tout, en plus. Alors, Mojuruchi qui me demande comment ça s'est passé pour BenQ. BenQ, ouais, ils m'ont contacté. J'ai reçu un mail. Alors, du coup, sur le coup. Enfin, j'avais vu la vidéo de Brickmitry. Et après, ben, je sais pas, peut-être une semaine après, il m'a envoyé un mail en me disant, voilà, ben, en faisant tout son Laïus, est-ce que ça vous intéresserait? Donc, c'est juste une collab, hein. Pas de contrepartie financière. Il m'envoie ça, j'en parle dans une vidéo, je teste. Et puis, ils m'ont dit clairement, s'il y a des trucs qui vous plaisent pas, vous nous le dites. De toute façon, vous le dites en vidéo, il n'y a pas de souci. Honnêtement, moi je suis satisfait du produit. Comme je disais, le seul truc c'est que les boutons sont dessus et c'est surtout le réglage lumière-température. C'est à chaque fois en fait ça fait une boucle quoi. Je sais pas si vous allez le voir. Bah, du coup, non, vous le voyez pas parce que ma caméra fait une correction des balances des blancs et du coup ça reste identique. Mais enfin bon, voilà, le réglage, c'est pas ouf. Après, de toute façon, j'y touche pas beaucoup, donc c'est pas gênant en soi. Mais j'avoue que la version plus avec la petite commande qui vient sur le bureau, je pense qu'elle est quand même plus sympa, quoi. Et c'est ce que je leur ai dit, du coup, dans le mail, quand je leur ai répondu, en leur disant que j'avais fait la vidéo. J'aurais dit, voilà, seul hic, c'est cette histoire de commande. Sinon, après, franchement, c'est bien, ça éclaire très bien. Après, plus puissant, ça sert à rien, parce que, de toute façon. C'est pas ça qui va faire que comme j'expliquais, du coup vu que c'est de côté, ça fait une zone d'ombre. Donc plus on va monter, plus ça sera caché. Mais le fait que le faisceau soit plus fort, ça changera absolument rien. Ça va encore plus cramer ici et il y aura toujours autant d'ombre de l'autre côté. Donc là, la seule solution, c'est de faire une petite lumière derrière, mais bon, j'en ai pas mis là. Je pense que pour les petites constructions comme ça suffit amplement. Mais c'est sûr, si je commençais à construire, genre bon, cette que je n'ai pas, mais genre le Daily Bugle, bon, ça serait la mort, quoi. Il y aurait tout un côté qu'on verrait pas. Puis de toute façon, là, la config que j'ai, je pense pas qu'elle soit bonne pour des gros sets. Ça va aller pour des petits sets, mais pour des grosses pièces Lego, ça ira pas. Vlad qui trouve que les figues sont de plus en plus sympas. Oui, ils font quand même. La topographie, quand même, elle est de plus en plus fine. Ils mettent quand même plus de détails. Mais après, c'est juste qu'ils n'utilisent pas toutes les techniques en même temps. Alors peut-être qu'après, ils ont des raisons de pas les utiliser. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a toujours du détail à mettre. Les bras blancs comme ça, je pense pas que les soldats, ils aient les. Les Stormtroopers, ils aient les soldats tout blancs. Les bras tout blancs, je vais y arriver. Ils ont forcément je sais pas, des espèces de petites des jonctions quoi, avec les coudières, tout ça là. Donc je sais pas pourquoi ils n'utilisent pas toutes les techniques qu'ils ont à dispo. C'est sûr que ça doit coûter plus cher, du coup ça va augmenter le prix, mais bon. Et il y a Harry qui demande si on aime le nouveau gunship. Pour le prix et les finitions, il passe son tour. C'est sûr, ça reste cher, c'est des UCS. Hein. Mais un truc que j'ai pas compris, moi, par contre, sur ce vaisseau, c'est les portes, elles sont pas censées se fermer. C'est ça que je comprends pas là. Là, elles s'ouvrent juste pour pouvoir faire passer les canonnières, là où je sais pas comment. Enfin, les bulles, là où il y a les canons, mais il y a pas, elles sont pas censées se fermer les portes non, sur le côté. C'est ça que j'ai pas trop compris en fait sur ce set. Après, si c'était prévu comme ça, ok, mais bon, ils auraient pu quand même au moins mettre, même si c'est pas un playset, ils auraient peut-être pu mettre quand même cette possibilité de refermer les portes, quoi. Salut Bricks Legend. Alors. Ouais, par contre, Tony, le prochain AT-AT, enfin, je sais pas, vous avez des sources, vous avez commencé à avoir des trucs par rapport au prochain UCS, c'est sûr, ça sera l'AT-AT.
800 balles en AT-AT, ça va être la taille d'un chien, le truc, quoi. Enfin, je demande à voir, j'achèterai pas, mais franchement, je demande à voir, ça doit être assez impressionnant, quoi. Salut Yo-Yo Vador. Alors, Guardian Bricks, pour les étagères, comment j'éclaire? Alors, en fait, il faut bricoler un peu, parce que ça n'existe pas tout fait. À un moment, je me suis même demandé si j'allais pas créer ma boîte et puis vendre ces trucs-là, enfin, les fabriquer moi-même et puis monter un business autour de ça. C'est juste des bandes que j'ai achetées à Action, des bandes de 5 mètres de LED avec petite télécommande. Alors, il y a plusieurs modèles, mais là, c'était les vieux modèles, c'est juste infrarouge. Hein. Et là, ça, c'est les nouveaux modèles avec infrarouge, mais aussi connecté en Wi-Fi avec la box et puis le téléphone. Donc, c'est des bandes de 5 mètres, mais elles sont sécables. Tu peux les couper. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé des morceaux qui rentrent dans chaque étagère. Et j'ai relié chaque morceau avec du fil électrique blanc. Voilà, donc j'ai fait sur mesure toutes les bandes. J'ai raccordé. Il y a les fils qui passent derrière. Bon, là vous voyez pas. Attendez, si là. Là au bout de mon doigt, il y a une baguette. Voilà, donc en fait je passe du bas et je remonte avec une baguette pour éclairer après au-dessus. Et là vous ne voyez pas de l'autre côté, mais pareil, le long de la prise j'ai mis une baguette pour passer du meuble d'en bas aux étagères du haut. Voilà, donc il y a un petit peu de bricolage et ça, j'ai pas trouvé de truc tout fait qui existe pour Ikea. D'ailleurs, Ikea, il devrait peut-être se pencher sur la question parce que franchement, il n'y a pas que pour les Legos, ça peut être intéressant. Hein, pour tout ce que tu pourrais éventuellement mettre sur les étagères, ça peut être sympa d'avoir un éclairage LED comme ça, quoi. Ok Marwan, ouais, tu es du côté du Nav d'Ornon, ouais, donc je vois. Mais oui, forcément, Léonien, c'est dans le coin, quoi. C'est dans le coin pour toi, quoi. Et Némésine, ouais, la carte Leclerc, franchement, nous on l'a, mais on cumule rien, quoi. On cumule rien du tout. Donc, enfin, moi non plus, j'ai pas compris à quoi vraiment elle servait. Et c'est pour ça que je dis, enfin, chez Auchan, j'ai vraiment vu la différence, quoi. Chez Auchan, on cumule vraiment bien quoi. Harry qui nous dit qu'il est en train de travailler sur un projet pour recréer Tatooine, donc son ambiance. Oui, enfin tu recrées un petit peu les, tu vas recréer, tu vas habiller la cantina de plein de petites boutiques ou de petites maisons. Est-ce que tu vas faire un spatioport du coup? Il faut quand même faire un petit spatioport. Peut-être pas aussi grand que. Peut-être pas pour mettre un faucon, même si ça serait quand même bien de mettre le faucon, mais. Du coup, on attaque le sachet 2. Et là, on va commencer à habiller le tour du. Le tronc central du vaisseau. À plus Alex, désolé, du coup j'ai raté un petit peu parce que je me suis un peu étalé. Je parle et puis au final j'ai loupé un petit peu le chat. Donc bah écoute, bonne journée à toi, merci d'être passé. Et à la prochaine du coup. C'est clair, Vlad, on va pouvoir le balader. J'espère qu'ils fournissent la laisse avec. Ah ben oui. Lego Noblock qui a fait la remarque. Ouais, du coup, ça se trouve, ça sera peut-être le gift with purchase. Purchase, j'ai du mal à. Je parle franglais. Mais. Ah d'accord, merci merci Mojuchi pour la précision. Il y aurait la version cinéma qui serait ouverte avec les deux bulles et
Les tourelles et la version Clone War qui peut partir des croiseurs donc se ferme. Ok. D'accord, donc c'est pour ça alors. Gilles qui me demande ce que je pense des briquettes. Moi j'aime bien la gamme briquettes. Mais c'est vrai que là j'en achète moins. J'ai pas craqué pour les Harry Potter. J'en achète quand même moins. Du coup je me concentre sur d'autres trucs. Parce que bon les briquettes c'est bien mais au final ouais je sais pas. J'ai peut-être un peu perdu le... J'aime bien hein, mais j'ai perdu un peu le... Je pense l'enthousiasme. Ça me plaît peut-être un petit peu moins. Et puis là dernièrement en plus ils font beaucoup. Là, ils ont fait la série Pets. Je trouvais sympa l'idée, mais en fait au final, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils refont la même chose, quoi. Ils refont encore des chats sur les mêmes bases, ils font encore des oiseaux sur les mêmes bases. Alors que je suis désolé, quoi, il y a quand même pas mal d'animaux qui existent. Pas obligé de faire 15 versions de moineaux et 15 versions de chats, quoi. Donc bon, du coup. Et vu qu'ils font que ça, là, ils ont pas sorti. À part les Harry Potter. Les Harry Potter, je pense craquer peut-être quand même. Pour ma déco. Mais ouais. À la base j'aime bien, mais dernièrement j'ai perdu un petit peu la motive quand même, sur ces sets là. Et je me concentre du coup plus sur du. Bah du coup j'ai. Ouais j'attaquais un petit peu le Marvel là. Dernièrement. J'avais jamais acheté autant de. Mais d'ailleurs les sets Marvel, je crois que j'en ai. Ah, Jambon Saucisse qui vient s'abonner. Merci à toi. Oui, ce que je disais, les Marvel, ouais, les Marvel, finalement, j'avais pris que le casque d'Iron Man et le vaisseau de Captain Marvel. Et puis là, dernièrement, j'en ai acheté pas mal. Donc, ouais, j'ai laissé un petit peu les briquettes de côté, quoi. Ah, normalement oui, mais j'ai vu que c'est la nuit sieste d'expo, ils disent qu'ils n'ont pas besoin de rajouter des portes qui se ferment vu que ce n'est pas un playset. Et ouais, c'est ça le truc, quoi. C'est pas un playset, donc en théorie on n'a pas besoin de... C'est bien ce que je me disais aussi, mais bon. Ouais, ils auraient pu pousser un peu le truc et dire, bon allez les gars, vous faites la version que vous voulez, quoi. Soit avec les portes fermées, soit avec les portes ouvertes. Mais bon, c'est la version du film, donc... Donc c'est celle... C'est celle qui part pas du croiseur, quoi. Alors, attends. Salut Build Project. Merci de nous rejoindre. Ça va, ça va. Ça va, impec. Alors, attendez, je reprends le truc. Ouais, par contre, je suis de l'avis de Guardians. Enfin, après, tout dépend. Tout dépend. Après, tout dépend si tu préfères les vaisseaux. Enfin, quel est ton intérêt? Qu'est-ce que tu aimerais exposer? Mais j'avoue que si je devais choisir entre la cantina et le gunship, ouais, je sais pas. C'est vrai qu'après, j'ai plus d'affection pour tout ce qui est trilogie originale. Donc, j'aurais dit forcément la cantina, quoi. C'est vrai que les minifigs, elles sont vraiment extra dedans. Elles sont vraiment très très jolies. Et là, pour le coup, il y a vraiment, tu ressens tout de suite l'ambiance, l'ambiance du bar, quoi. Avec tous ces personnages et tout, quoi. Salut Jobrix fan. Oui, j'avais vu. Enfin, j'avais vu la bande-annonce vite fait, quoi, très rapidement. Je l'ai pas, en fait, je l'ai pas regardé bien posé cette bande-annonce. Donc, je parle de la bande-annonce de Star Wars Vision. Il faudra que je me pose et que je regarde bien cette bande-annonce comme il faut. Mais a priori, ça serait autour de l'univers Star Wars, mais avec une vision un peu animée, ouais, façon manga, quoi. Donc, je pense que c'est un concept assez intéressant. Bon, je regarderai quand même. Mais sur le coup, ça m'a paru un peu bizarre. Mais en fait, à y réfléchir, ça pourrait peut-être bien coller, quoi. Je sais pas si vous l'avez vu, vous, là, donc du coup, la bande-annonce de Star Wars Vision. Donc il y a Harry qui nous dit que ça sera prévu donc d'intégrer le faucon dans son diorama.
autour de la cantina et de Tatooine, quoi. Salut Romain de la boîte à moque qui vient de nous rejoindre. Alors ça fait peut-être un moment que tu nous as rejoint, là j'essaie de rattraper le chat, mais bienvenue à toi, puis merci de nous rejoindre. Salut Noah. Alors la nouvelle lampe, bah, écoute, elle est bien, franchement j'aime bien. J'aime bien ça. Moi ça me change vraiment le quotidien, quoi. Parce que j'avais l'autre lumière dans la tronche. Celle d'à côté, je pouvais en mettre qu'une. Et je pouvais pas mettre la deuxième comme j'avais fait avant. Et en fait, du coup, j'ai un gain de place. J'ai plus la lumière dans les yeux. Et elle éclaire quand même bien, quoi. Franchement, elle est top, quoi. Il y a... Salut Julien. Il y a... Alors Harry, tu m'as mis un message. Je sais pas pourquoi il me l'a bloqué. Du coup, je l'affiche. Je sais pas pourquoi il a bloqué ça. Il nous disait qu'il avait hâte de voir la nouvelle série sur Boba Fett. J'étais pas trop au courant de ça, il faudra que je me renseigne un peu, mais effectivement, s'il y a une série sur Boba Fett, ouais, ça pourrait être cool, quoi. En plus, si elle arrive fin d'année, ça sera bon, ça. Vlad qui kiffe les micro-fighters et les briquettes. Les micro-fighters, j'avais surtout acheté les... c'était quoi que j'avais pris? J'avais pris celui avec le Dubac, celui avec le. C'est quoi, le Banta, je crois que ça s'appelle comme ça. Il faut que je le retrouve. En fait, c'est que ces micro-fighters-là que j'avais pris. Et j'ai pris aussi celui avec le Tonton. Et je me suis pris pour tester quand même celui-là, là. Bon, ça fait un moment que j'ai pris. Mais le petit avec Han Solo, je l'avais pris pour faire, je crois, une. Ouais, c'était pour la sonde, je l'avais pris. Mais. C'est vrai que j'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre, mais je me suis dit, bon, tant qu'à faire, on va tester avec un petit micro-fighter. Faudra que je vois, mais je sais plus qui c'est qui m'avait envoyé des photos de sa collection de micro-fighters. Et en fait, au final, mis tous ensemble, franchement, ça rend bien, en fait. Mais bon, faut pas que je me lance dans 15 000 collections, parce qu'après, je vais pas m'en sortir. Après, c'est pas les sets les plus chers, enfin, rapporté au prix à la pièce, peut-être. Mais bon, c'est sûr que c'est pas non plus des sets... ultra ultra cher. Guardian ce qui dit que la TNT UCS est officielle. Je sais pas, j'ai pas vu passer de truc, quoi. Faudra que je piste vite fait un petit peu le hashtag Legolix là sur Insta pour voir s'il y a des visuels qui commencent à apparaître. Parce que là, si c'est pour bientôt, si c'est pour septembre, octobre, enfin, j'imagine que ça doit être ça. On doit commencer à avoir des trucs, il faudra que je regarde. Surtout le double microfighter avec Luke et le AT-AT. Haha. Guardians qui dit Lego qui devrait peut-être faire Ahsoka en briquette. Ah, les Star Wars, finalement, j'ai que Dark Vador, quoi. En briquette. Je l'avais trouvé dans un marchand de journaux en vacances. Vraiment le truc improbable. Et du coup, vu que je sais qu'il était plus commercialisé, et puis que bon, bah, c'est Dark Vador, quoi. Bah, je l'ai pris, hein, je l'ai pris. Mais c'est vrai que j'ai que celui-là, au final, en briquette. Donc à voir, s'ils font Ahsoka, peut-être que je pourrais très bien craquer. Salut François. Écoute, moi aussi, ça me fait plaisir de recommencer ces petits lives-là, tranquille. Ça me manquait quand même, hein. Mais là, je vais me relancer bien dedans. On va essayer d'en faire au moins tous les dimanches un petit peu comme ça là. Mais par contre, du coup, je vais peut-être pas trop tarder. C'est les 11h11. On reste encore ensemble peut-être un petit quart d'heure, une demi-heure grand max. Et puis après, je vais aller préparer à manger. Alors. Et puis voilà, le week-end, on verra, hein. Je pense que j'essaierai de le programmer pour dimanche prochain, on fera pareil, on continuera du coup ce petit maraudeur armé impérial. A plus Vlad, merci d'être passé, et puis bah, du coup toi aussi bon dimanche. Ouais Harry, alors là par contre je te rejoins totalement, si ils font ça. Le palais de Jabba, je crois bien que je pourrais faire une folie, quoi. Si vraiment ils arrivent à faire un truc du style de la cantina, là je pense que je pourrais craquer.
pourrais craquer parce que c'est là franchement la cantina m'a vraiment plu. Ouais, ça serait vraiment une bonne idée. Et en plus du coup, bon, c'est un peu le style, hein. Ils avaient bien fait la cantina plein de fois, enfin une fois je crois. Donc pourquoi ils referaient pas le palais de Jabba, quoi. Salut Jules. Une arène de Géonosis. Est-ce qu'ils ont déjà fait ça, une arène de Géonosis? Parce que après en Lego, enfin en Lego, voilà, je me suis remis il y a quand même pas si longtemps que ça au final par rapport à la gamme Star Wars qui a commencé en 99. Moi j'ai pris le truc que de mémoire, peut-être vers 2015 je crois, dans ces eaux-là, donc il y a plein de trucs que j'ai ratés. Du coup je sais pas s'ils ont fait déjà une arène de Géonosis, ou du moins un semblant d'arène de Géonosis. Oui, apparemment, Mojiruchi, ouais, par rapport au Star Wars Vision, il y a plusieurs studios qui devraient. Moi, j'avais pas trop compris le truc, mais c'est un collègue de travail qui m'a dit qu'il y avait plusieurs studios qui avaient bossé dessus, donc du coup, on aura vraiment peut-être des approches différentes, et puis du coup, sur des dessins différents, quoi. Donc, hâte de voir ça quand même. Et puis, j'espère que ça nous apportera quand même quelques infos. Enfin, pour moi qui suis pas non plus un super connaisseur de Star Wars. J'espère que ça m'apportera voilà, des infos un peu sur ce que. Je sais pas en quelle période ça se passe. Est-ce que ça a vraiment un lien avec. Même si c'est façon manga, est-ce que ça a un lien quand même avec les histoires ou est-ce que c'est des histoires totalement inventées? Ça sera la question. C'est vrai que je me suis pas renseigné sur le truc. Mais je regarderai puis je verrai bien. J'aimerais bien que ça apporte des infos, quoi. Des petites infos sur l'histoire, quoi. La grande histoire qui est Star Wars. Toi, Romain, le gunship, c'est un vaisseau que t'aimes bien et tu le trouves sympa, bon, hormis le prix, peut-être qu'il, de toute façon, c'est toujours assez cher, hein, ces 7, mais est-ce que tu trouves qu'il est quand même bien foutu, là, le dernier qu'ils ont fait, là? Alors, qu'est-ce que je fais là? Je sais pas ce que je construis. Ah si, c'est les petites tourelles, ça, visiblement. Ouais, ah bah après, Harry, ouais, enfin l'arène, faut voir la taille qu'ils font, quoi. Ils feront certainement qu'un petit bout d'arène. C'est vrai que là, la cantina, visiblement, elle est entière, quoi. Mais là, s'ils doivent faire une arène, ouais, c'est sûr que ça pourrait piquer, quoi. Ou alors, ce serait une mini-arène. Mais du coup après on serait plus à l'échelle quoi. Que là la cantina, je pense qu'on est quand même assez proche de l'échelle de la vraie cantina. Comme elle est dans le film. Et Arthur, Briquettes Iron Man, franchement, c'est. Je suis triste de les avoir ratés ceux-là. Moi j'aurais bien aimé avoir Iron Man, avoir Hulk, Gamora. Surtout Gamora Gamora et Star-Lord. Franchement, ceux-là, faudrait que j'essaie de les trouver, mais bon, j'ai vu que voilà, hein, ça tourne autour de 30-40 balles, je crois, le briquet. Donc, faudra voir. Soit un jour je me fends et je me les prends, mais je les trouvais vraiment sympas, ceux-là. Salut Dim11. Ouais, Mojiruchi, ouais. S'il préfère. Ouais, genre les pylônes ou. Comment il s'appelle? J'ai bouffé son nom. La reine Amidala. Padmé. Ou Padmé, elle est accrochée, quoi. Genre un set comme ça, où il y aurait ces personnages-là, plus les bestioles, là, les espèces de dinosaures, là. Voilà, l'espèce de menthe religieuse. Je dis des conneries, les dinosaures, c'est pas des dinosaures. Mais. Alors, comment ça se monte? J'ai rien oublié là. Ah oui, d'accord, la petite tourelle elle rentre. Elle se met devant là.
pense qu'il y aura peut-être un truc au-dessus, non? Ah ben non, ah ben ça coulisse bien, dis donc. Ouais, Romain, ouais, je suis d'accord là, c'est un petit peu tordu leur truc de faire en sorte que tu puisses mettre les minifigs dedans, mais qu'au final, quand tu les mets, autant dans les cockpits, je pense que ça a l'air d'être à peu près à la bonne taille, puisque les verrières, elles sont faites pour la taille des minifigs, mais quand tu les mets dans le, j'ai perdu mon mot là, enfin quand tu les mets dans la partie arrière, quoi, dans la soute, ça doit être, oui, comme ça, dans la soute, effectivement, ils sont juste trop petits les personnages. Donc ouais, c'est un peu bizarre. À la limite, ils auraient mieux fait de pas faire de place pour les minifigs, quoi. Ouais, par contre, en minifig, ça c'est toujours le... C'est totalement... Ouais. En fait, pour avoir des minifigs, il aurait fallu que ça soit un master builder, quoi. Il faudrait pas que ça soit un... Les master builders, t'es sûr d'avoir des minifigs. Mais là, après, les UCS, à chaque fois, hormis le faucon, où il y en avait un paquet, mais bon, pareil, hein, le faucon, c'est 800 balles, quoi. Mais sinon, ouais, il y a très peu de minifigs à chaque fois, quoi. En carte blanche, le but c'est de vraiment pas rentrer dans le canon. Ah d'accord, ouais. Il y aura peut-être des incohérences dans Star Wars Vision. On va voir. Bon, dans tous les cas, ça sera. Enfin, le peu que j'ai vu, il y avait des trucs quand même assez marrants là de les voir dégainer là, les sabres comme voilà, comme dans les animés ou voilà dans les films asiates quoi, avec les sortes de leurs fourreaux et tout. Ça fait bizarre, mais en même temps, enfin, c'est notre approche, donc assez intrigué. Et ouais, je vais regarder dès que ça sort. Là, je pense que je vais regarder direct. Quoi. Harry qui me demande si je vais prendre les calendriers de l'Avent. Je vais prendre oui, celui de Star Wars et celui d'Harry Potter. C'est des achats que je peux faire. En plus, on les trouvera, je pense, bradés assez facilement. Mais ouais, je vais les prendre. Ces deux-là, je vais les prendre, même si bon. Les Star Wars, je suis toujours un petit peu déçu, mais bon, au final, c'est quand même sympa, quoi. Qui sait? On peut peut-être avoir une surprise. En plus, là, du coup, je crois que c'est axé sur le Mandalorian, donc à voir. Ça pourrait être une belle surprise. Ah ouais, sachez qu'il dit le Temple Jedi en mode Lego architecture, et ça pourrait être un concept, faire... Peut-être pour relancer un peu la gamme architecture, faire des architectures avec des thèmes, genre architecture Star Wars, architecture Marvel, pourquoi pas, architecture Harry Potter, ça pourrait être... Ouais, c'est pas con comme idée, quoi. C'est bizarre, ça bouge quand même pas mal, ça. Je pense qu'il y aura une plaque qui va venir au-dessus. J'ai peut-être oublié quelques trucs là, je pense, ouais. Non, si. Je suis allé un peu trop vite. Et je crois que j'ai oublié de. C'est ça, j'ai oublié de mettre des pièces là. Je trouvais que ça faisait un peu maigre là. Et en fait, c'est normal. J'ai pas fait gaffe. Là, voilà. Là, typiquement, là j'avais montré sur Instagram la notice du Benatar. On a les détourages des pièces. On a le détourage des pièces, enfin le petit liseré jaune, alors que c'est un 14+. On pourrait se dire 14+, bon, on fait déjà plus attention, on est vigilant. Là, c'est du 8+, il n'y a pas les liserés. Donc, et je trouve que c'est assez quand même compliqué. Enfin, ça peut vite être compliqué quand on a des pièces similaires de la même couleur. Bon, enfin. Normalement, on est censé prendre son temps et pas
pas speedé, ouais. Je sais pas, je trouve ça bizarre quoi. J'arrive pas à comprendre pourquoi des fois ils mettent le détourage des pièces et des fois ils le mettent pas. C'est. Et en plus, ça se trouve, le pire c'est qu'ils doivent nous facturer ce truc-là, je pense, dans le prix. Dans le prix du set, quoi. C'est ça le pire, quoi. Vous voulez du détourage? Allez, 10 balles de plus. Puis t'as ton détourage sur ta notice. Speed qui me demande ce que je pense de la série minifigure What If. Franchement, elle me plaît, et je vais craquer pour l'instant. Je vais voir. Normalement, je dois m'arranger avec. Je sais pas si ça tient toujours. Il faudra que je le recontacte. Normalement, je dois m'arranger avec Brick Universe. Il est censé prendre une boîte, et s'il lui reste une série, je sais qu'il fait ça avec son pote. Mais s'il lui reste une série, normalement, il devait voir pour me la refourguer. Donc il faudra que je joue avec lui, mais sinon, s'il peut pas, ben je me débrouillerai, mais je pense que je vais me l'acheter. Ouais, elle est classe. Et en plus, j'ai commencé à regarder les épisodes. Franchement, j'adore hein, cette série-là. Franchement, c'est top d'avoir une histoire alternative, quoi. Nous, on connaît l'histoire de la phase, enfin, du MCU, là, comme on la connaît. Et là, en fait, c'est des événements totalement différents. Et franchement, c'est. Puis en plus, les dessins, je trouve qu'ils sont vachement bien faits. C'est assez détaillé, tout, c'est dynamique. Franchement, je vous le conseille. Hein. Si vous avez la possibilité de voir la série What If, c'est franchement sympa, quoi. Ouais, c'est vrai, Lego Noblois, quand tu dis que bon, c'est vrai que c'est un set pour exposer, donc bon, les minifigs, voilà, ça sera pas pour jouer dans tous les cas, mais au moins qu'ils mettent des minifigs un peu collector, quoi. Effectivement, comme dans la Batmobile Batwing, où en fait ces figurines-là, tu les retrouves pas ailleurs, quoi. Là, je pense le Mace Windu et puis le clone, je pense qu'on doit pouvoir les retrouver assez facilement. Enfin, après, j'ai pas connu cette période-là des Lego là, tout ce qui est Clone Wars et tout, j'ai pas connu, donc je sais pas si c'est des figurines que l'on voit, qu'on a vu souvent. Elles m'ont l'air assez banales quand même. Ouais, Romain, je vois, tu vas. C'est ton nouveau projet là de présentation de mock. Je pense que c'est ça que tu vas. C'est ça dont tu nous parles. Tu vas acheter des pièces donc pour pouvoir refaire un gunship qui est mieux réalisé, enfin à l'échelle, et des minifigs. Et puis tu vas nous faire des reviews. Hein? J'ai hâte de voir ça. Moi j'ai hâte de voir ça parce que c'est vrai qu'on parle pas assez des mocs et ça changerait quoi. Après Guardians par rapport au calendrier de l'avant, pareil, hein, j'ai commencé les calendriers. J'ai eu celui de l'année dernière, celui de l'année d'avant, mais après j'ai pas connu s'il y en a eu d'autres, s'ils étaient mieux. Donc je saurais pas te dire. Et ouais, Romain, t'as raison, c'est sûr qu'ils auraient pu nous mettre un vrai pilote avec quoi. Même si c'est un set d'exposition, bah, ça n'empêche que on peut être raccord et pas mettre un truc. J'ai vu le prix que tu mets dans le set. C'est dommage quoi, c'est dommage, ils font. Mais de toute façon, là, j'ai l'impression qu'ils font quand même pas mal de boulettes en ce moment. C'est plein de petits trucs. C'est des erreurs sur les paquets, des erreurs sur les sérigraphies. Des pièces qui s'abîment pendant le transport, des ratés sur le site. Je sais pas si ça a toujours été comme ça, mais c'est vrai que moi, depuis que j'ai commencé un peu à suivre ça, je sens bien qu'il y a un peu de relâchement quand même.
Froid, ouais, Julien, ouais, c'est sûr que ça serait mieux. Ce que je disais, ouais, les tenants apparents, ça fait un peu bizarre, quoi. Surtout quand on a vu plein de mocks bien sympas. Mais bon, comme toujours, ils sont pas là, ils font pas des sets. Ils font pas des. C'est pas des sets UCS, c'est des playsets, donc il faut que ça soit à un prix intéressant et que ça soit jouable surtout. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de finition comme ça aussi poussée, quoi. Pense qu'il va falloir attendre encore un bon moment. Oui, bon, on va patienter, hein, Romain, t'inquiète pas. Enfin, moi, il n'y a pas de souci, quoi. J'attendrai, mais je suis franchement, ça, je pense que ça va être vraiment bien, quoi. J'ai hâte de voir ça parce qu'il y a vraiment des mocks qui sont vraiment cool. Et là, le peu que j'ai vu là que t'avais fait là, ça m'a mis l'eau à la bouche. Donc j'ai hâte de voir ça. Salut Antoine. À plus les Gonoblois, merci d'être passé, ça m'a fait plaisir. Et bonne balade du coup, bonne dimanche et puis de rien hein, pour le live, hein, moi ça me fait plaisir. Donc au plaisir de te revoir sur le live le prochain ou sur le Discord. Et a priori, Romain, ouais, par rapport à la série What If, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils avaient supprimé, Disney avait supprimé un des épisodes concernant Spider-Man. J'ai pas trop su le truc, mais pareil, c'est toujours mon collègue là qui s'y connaît bien là au boulot, il s'y connaît bien au niveau Star Wars, comics et tout. Et en fait, il m'a dit, ouais, ils ont supprimé l'épisode avec Spider-Man, apparemment jugé, apparemment Disney a jugé qu'il fallait pas le diffuser. Voilà, donc bon. Je trouve que c'est un peu dommage et ça aurait été bien que, je sais pas, ils auraient pu mettre ça avec un contrôle parental ou j'en sais rien, mais enfin bon, de là supprimer ça. Ou alors c'est que ça, soit c'était vraiment trop violent, mais je suis un peu surpris parce que Spider-Man à la base c'est pas censé être ultra violent. Ou alors c'est que, moi je me dis, ça se trouve ça donne peut-être trop d'infos, ça donne peut-être trop d'infos par rapport au film qui va sortir, ça risque peut-être de spoiler, donc ça se trouve au dernier moment ils se sont dit non, ben on l'enlève. Pas, je sais pas trop. Faudra que je regarde si je trouve des infos là-dessus, là, sur cette suppression d'épisode. Pourquoi ils ont fait ça? C'est dommage, quoi. Mais Romain, on verra, on verra. Je sais juste, t'avais juste parlé vite fait dans, je crois, dans une de tes vidéos ou dans un de tes lives que voilà, tu partais sur une nouvelle idée, un nouveau concept et. Ça, franchement, j'ai hâte de voir ça. Je pense que ça va être vraiment intéressant ce que tu vas faire. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous ne connaissez pas la boîte à mocs, n'hésitez pas à aller voir son contenu. Et du coup, à vous abonner à la chaîne. Il fait vraiment du bon boulot, il aborde des sujets bien et franchement, c'est cool ce qu'il fait, quoi. Bon dimanche à toi, Evildeus, mais de toute façon je vais pas tarder aussi, il va falloir que je vais aller me mettre au fourneau pour nourrir la famille. Puis j'ai pas mal de taf aussi cet après-midi, j'ai plein de trucs à faire. Il va faire beau cette semaine, donc je vais nettoyer la voiture. Il faut que je fasse... Que je nettoie des trucs dans le jardin, enfin, bon, j'ai du taf, j'ai tout mis là. Ah non, c'est ça que j'ai oublié, les petites plaques comme ça. On va finir le sachet 2 et puis on va arrêter pour aujourd'hui. On s'en garde un petit peu pour dimanche prochain. Quand je vois des pièces comme ça là, c'est que tu sais qu'il va y avoir un capot par-dessus. Ça sent le capot là, ça sent la plaque qui va venir prendre appui dessus. Donc puis de toute façon, bon. Je dis ça, mais en fait, on a les pièces, les places en dessous, donc
C'est sûr qu'on aura un capot, quoi. Ça c'est mis, ça c'est mis, ça c'est mis. Ouais, la Romain, la musique, oui. En fait, c'est bon, c'est sûr que ça manque peut-être un petit peu d'originalité, mais c'est, je l'ai mis en description parce que de toute façon, il faut le mettre en description. Le mec demande à ce qu'on fasse la pub pour sa chaîne. Et en fait, il refait des remixes à base de musique qui normalement ne sont pas censées être diffusées, mais bon, il fait des remixes et du coup, il est là à sa dispo à condition de mettre son nom. Donc, dans la description, tu as le lien du gars. Il a fait des playlists et. Ouais, enfin, j'ai pas trop écouté, j'ai écouté juste vite fait, je savais que c'était dans le thème Star Wars, du coup je les ai mises, mais ouais, faut. C'est. Je verrai après, je re-regarderai la vidéo, j'espère que le son d'ailleurs n'était pas trop fort de la musique. Faut pas hésiter à me le dire, hein. Si vous m'entendez pas ou si la musique est trop forte, faut pas hésiter à me le dire, je re-règle. Antoine, le Lego Room Tour, ça sera fin d'année. J'ai encore un petit peu de rangement à faire. Fin d'année, ouais, fin d'année, je fais le Lego Room Tour. Axé plus sur la collection. Et peut-être plus sur le setup, l'ordinateur. Je vais pas repasser en revue encore tout mon rangement de pièces. Je ferai assez succinct pour ça. Mais voilà, je me concentrerai un petit peu plus sur la collection. Vous faire des beaux clips, des étagères et tout avec les sets que j'ai mis en expo. Mais il faudra être encore un petit peu patient parce que de toute façon là, il y a forcément une période là, septembre, octobre, novembre, je vais être moins présent. Je ferai certainement les lives, hein, comme j'ai dit, ça sera plus facile pour moi. Mais en vidéo, je risque d'être un petit peu inactif parce que ben, y a le petit qui arrive, hein, et puis ben, le petit avant tout, forcément. Après voilà, je sais pas comment ça va se passer, hein. Si ça se trouve, j'arriverai à gérer les deux, mais bon, déjà avec la petite c'était un peu chaud, donc là je pense qu'avec un deuxième enfant, hein, ça va être un peu plus compliqué. J'ai pas oublié de mettre des pièces là, qu'est-ce que j'ai oublié? Pourquoi il m'en reste deux? Ça c'est normal, c'est des spare parts, mais ça c'est pas normal. Non, j'ai trouvé, c'est là. J'ai oublié de les mettre des deux côtés. Voilà, c'est bon. Sachez de terminer. Merci Romain pour l'info sur le son, c'est parfait, c'est nickel. Ben, je toucherai plus au réglage, du coup je vais voir si je peux les verrouiller, comme ça sera bon. À plus Guardians, mais merci d'être venu, ça m'a fait plaisir. Salut fan de Lego. Bon du coup, Romain, mais je vais faire la même chose aussi. Je vais stopper le live maintenant. Ça m'a fait super plaisir de vous retrouver, de discuter. C'était vraiment cool. Et du coup, je vais vous laisser parce qu'il va falloir que j'aille faire à manger. Je commence à avoir un peu la dalle moi aussi. Donc, je vous laisse. Je vous laisse, on arrête là pour aujourd'hui. On se retrouvera, je pense, dimanche prochain. À mon avis, je vais reprogrammer comme ça un petit live d'une heure et demie. Ça sera très bien. On essaiera de finir celui-là. Je pense que ça devrait être faisable. Du coup, je vous souhaite à tous un très bon dimanche, hein, une bonne fin de week-end. Pour ceux qui sont en vacances, ben, continuez bien vos vacances, hein, profitez-en. A priori, il devrait faire. Enfin, je sais que dans mon secteur, il devrait faire beau. Après, à voir sur le reste de la France, je ne sais pas. Mais voilà, du coup, ben, pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Et puis, bon courage à ceux qui vont travailler cette semaine. Et à dimanche prochain, du coup. Salut!